Salut mes amis, c'est Arsenix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale avant l'épisode 6 de notre série sur The Forest. J'ai eu hier quelques commentaires, on va dire un peu, qui m'ont un peu choqué, qui m'ont un peu alerté sur certains trucs. Bon, c'est pas grave en soi, hein, mais je préfère faire le point avec vous aujourd'hui parce que bah, j'ai envie de voilà d'expliquer un petit peu ce que je veux sur ma chaîne pour pas que les gens s'attendent à des choses et soient déçus par la suite. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que moi la chaîne elle va pas être forcément 100% The Forest, hein, je pense que vous vous en doutez. Ça va plus être une chaîne de gaming sur différents jeux. Je vais tester différents jeux, je vais des jeux qui vont prochainement sortir, j'en ai pas en tête, hein. Des jeux déjà sortis aussi. Et donc on va faire ça ensemble. Ça va être sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et en fait, du coup, je pense que vous êtes au courant aussi maintenant, mais je fais des lives aussi sur Twitch, Twitch TV. Donc, c'est sur ce sujet que je voudrais parler, parce qu'en fait, hier, voilà, j'ai eu des petits soucis avec des internautes qui n'ont pas compris, en fait, pourquoi je faisais des streams, qui sont désabonnés, etc. Je trouvais ça triste. Donc, en fait, tout simplement, je vais vous le réexpliquer, encore une fois, je pense, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu, hein, tout simplement. J'ai perdu ma sauvegarde de The Forest, c'est pour ça que j'ai dû recommencer un nouveau camp. Et en fait, dans ma tête, ça s'est passé comme ça. J'ai perdu ma sauvegarde, je refais un nouveau camp, très bien, je vais refaire un nouveau camp, mais je vais le faire en off, pour pas vous remettre 4, 5, voire 6 épisodes, vu que ça a duré 6h30, 3h30, pardon. 6 épisodes où je vais reconstruire encore une maison. Enfin la base, puisqu'elle n'est même pas finie en plus, reconstruire la base, le croquis de ma maison, ça va vous faire chier quoi, de regarder ça au bout de 6 épisodes, ils vont se dire non mais l'autre quoi, il se touche là, hein, il fait rien, à part construire, voilà c'est tout ce qu'il fait, on n'est pas dans Minecraft, ça c'est vrai. Et donc en fait, j'avais deux possibilités, soit je le faisais en off, pas filmé du tout, et je faisais mon petit truc tranquille pépère, soit je le faisais sur Twitch, chose que j'ai faite. J'ai fait le croquis, entre guillemets, ma base, quoi, là où je suis, mon espèce de château, appelez ça comme vous voulez, en live sur Twitch. Mais c'est pas pour autant que je vais faire que des lives sur The Forest. Les lives sur Twitch, ça va être sur des jeux, sur beaucoup de jeux, Diablo 3, Path of Exile, Final Fantasy, enfin, tout et n'importe quoi, n'importe quel jeu, tant que ça se joue, eh ben je le ferai, et puis c'est tout. Donc en fait, je voudrais bien insister sur ce point-là, mais il faut que vous compreniez bien que sur Twitch, Twitch et YouTube, c'est deux choses différentes. Je peux pas mettre mes lives que je fais sur YouTube parce que déjà mes lives durent très longtemps. Je les enregistre pas, j'ai pas la place. Ils durent très longtemps. Ils sont disponibles sur Twitch, Twitch TV slash Arsenix. Je vais vous mettre le lien de toute façon juste à côté. Comme ça sera plus simple. Vous allez pouvoir retrouver tous mes lives, que ce soit sur The Forest, sur les autres jeux, vous allez pouvoir retrouver tous les lives. Ils sont sauvegardés pendant une période de 7 jours, je crois. Donc vous avez 7 jours pour regarder les lives si le cœur vous en dit. Je comprends parfaitement qu'il y en a qui n'aiment pas les lives sur Twitch et je ne force personne à venir regarder. C'est juste que voilà, plutôt que de le faire en off, autant en faire profiter avec la communauté qui aime Twitch. Autant voilà, c'est du live, je suis en direct, je peux répondre aux questions pendant que je joue et c'est un peu plus chaleureux. Mais je vais pas crafter plein de choses, etc. Jouer 6 heures, 7 heures, faire des lives de 7 heures par jour, et puis faire une vidéo et vous dire ah oui, au fait, j'ai terminé ma maison, ah j'ai trouvé ça, mais je l'ai pas filmé. Non, c'est pas ça le but. Il faut bien que vous compreniez que en live, je vais faire tout ce que je ferai en off, tout ce que je vais être susceptible de filmer, que je vais accélérer, par exemple, parce que là, comme je vous le dis, je me le répète, mais la base que j'ai faite, j'en ai eu pour 3h30. 3h30, des épisodes de une demi-heure, ça fait plus de 6 épisodes. 7 épisodes, je sais plus, quelque chose comme ça, voilà. Pendant cet épisode, me voir couper du bois, hop, arrêter 2 secondes parce que je me fais attaquer ou arrêter 2 secondes pour raconter une connerie, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir marre et c'est tout à fait normal. Donc, je préfère faire comme ça et j'espère que bah, vous allez quand même apprécier. Donc voilà, je vais pas avancer mon let's play sur Twitch. Mon let's play, c'est sur YouTube. C'est pas sur Twitch. Twitch, je fais les choses que je fais en off. Par exemple, terminer le contour de ma base. Par exemple, récolter du bois, récolter des choses.
C'est ça que je vais faire sur The Forest en live, sur Twitch. Je vais pas continuer mon let's play sur Twitch, je ne peux pas. Donc voilà, je ne peux pas pour la simple et bonne raison que sur YouTube il y a des droits d'auteur sur les musiques et qu'en live sur Twitch je peux écouter de la musique librement comme je veux, vous le faire partager. Donc j'ai pas envie de m'embêter à comment dire, à séparer les pistes audio, etc. pour enlever la musique. Ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai soif, il fait chaud. Voilà, donc j'espère que vous allez comprendre. Moi je vous mets tous les liens partout, un petit peu par là, là, comme ça, là, comme ça, là, comme ça. Il y aura des liens partout. Ne vous inquiétez pas. Une deuxième chose aussi, je vous conseille, je ne vous force pas, mais je vous conseille de me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Pour la simple et bonne raison que dès que je fais un live, je l'annonce sur le Facebook et sur le Twitter. Je sais pas faire des annonces sur YouTube. Je sais pas comment on fait, donc voilà, je vais pas faire juste une petite vidéo de 3 secondes pour dire je live, à tout de suite. Non, ça m'intéresse pas. Je préfère du coup, voilà, vous venez sur Facebook, voilà, vous checkez vite fait, etc., ou sur Twitter, et vous allez, bah voilà, je vous dis, moi j'annonce à quelle heure vont être mises mes vidéos sur mon Facebook, j'annonce que je vais faire un live. J'annonce ce genre de choses, et puis bah je passe des petites annonces, on peut discuter aussi sur mon Facebook, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Parce que la messagerie du YouTube est quand même un peu mal foutue. Donc voilà. N'hésitez pas. Mais je vous force pas. Si vous voulez pas, de toute façon, si vous n'aimez pas Facebook ou Twitter, je comprendrai. J'aime pas Facebook. Je l'ai juste, voilà, pour ma communauté. Twitter, je connais rien du tout. Mais bon, je poste quand même des choses. J'essaye, quoi. Et voilà. Donc je trouve que ça serait plus simple. Après, si vous voulez pas, si vous aimez pas Twitch, etc., je ne vous force pas. Hein. Voilà, vous me suivez, c'est très bien sur YouTube. Moi, ça me va. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est que j'ai eu pas mal de commentaires de gens qui m'ont demandé si j'allais faire des rediffs de mes lives sur YouTube. Donc la réponse est non. Désolé. Ils sont disponibles à une adresse qui est écrite quelque part par là. Est-ce que pourquoi tu nous forces à aller sur Twitch, etc. Moi, j'aime pas Twitch, Aram. Je ne force personne. Comme je l'ai expliqué plus tôt, voilà, Twitch c'est pour faire certaines choses, YouTube c'est pour en faire d'autres. Voilà. J'aime pas Facebook et Twitter. J'aime pas non plus. Hein, je l'ai juste pour pouvoir communiquer avec vous plus simplement. Je ne vous force pas. Voilà, il n'y a pas de souci, vous faites bien ce que vous voulez, de toute façon, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ceci étant dit maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, écoutez, je sais pas si je fais un petit truc, un petit switch, non, je pense pas, je sais pas faire, moi, je suis pas infographiste ou tout ça, moi, je connais pas bien. Du coup, deuxième partie. Donc, en fait, vous êtes plus de 4000, vous êtes abonné à ma page YouTube en 2 semaines, c'est exceptionnel, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'attendais pas du tout ça. Merci, merci du fond du cœur, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, pour cette occasion, je vais organiser une FAQ. Je vais répondre à vos questions parce que bon, bah, je réponds à vos questions déjà sur mon Twitch, mais c'est autre chose. Donc voilà, on va faire une vidéo spéciale FAQ pour les 4000 abonnés, que je diffuserai sûrement la semaine prochaine, histoire de vous laisser le temps et puis de laisser le temps à tout le monde de répondre à mes questions. Donc je sais pas, peut-être lundi ou mardi prochain, on verra. Et donc du coup, à cet effet, vous avez une adresse mail là-haut. C'est mon adresse mail. Je vous invite à m'envoyer par mail vos questions. Et j'en sélectionnerai bah voilà, les plus pertinentes, celles qui me font rire, etc. Et puis j'y répondrai, bien sûr, hein, c'est le but. N'hésitez pas à hein, poser-moi des questions, que ce soit sur ma vie personnelle, entre guillemets, faut pas trop pousser non plus, sur ma vie professionnelle, sur ma vie de youtubeur, sur ma vie de streamer, de tout ce que vous voulez. Posez-moi des questions, j'y répondrai, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, l'adresse mail qui est là-haut, vous pouvez aussi m'envoyer vos questions par message privé sur Facebook. Voilà, je les prendrai aussi et sur mon Facebook, donc tout ça, ce sera là-haut, je pense. Mon Facebook et puis mon adresse mail. N'hésitez pas, envoyez-moi des trucs et des questions, et moi, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, c'est ma façon à moi un petit peu de vous remercier d'être plus de 4000 à me suivre, notamment sur l'aventure The Forest, hein, forcément.
Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah moi, je vais m'atteler tout de suite à vous faire l'épisode 6 tant attendu de The Forest. Donc on se retrouve très très vite. Et puis j'attends vos questions avec impatience. Merci encore d'être 4000 à me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très très vite. Et voilà, je vous aime.